certains qu'on paye pour. Pour que tu sois soulagé. Et il y a des gens comme ça. Na kuko batu ba vile. Ils se marient à la légère. Et qu'on a ouan, paka vile tu mufujo. Une fille de la rue, publique. Ana lokota, mwanamke moya hivi. Parce que pour lui, parce qu'elle est belle. Dieu est comme mzuri. Dieu anaanza kumvua de temps en temps. Maintenant, wakati yote, anaanza kumtosha sa kiatu. Vous comprenez? Unaelewa? Dieu m'a conseillé. Maintenant, on commence à conseiller. Portez quand même les souliers. Oh, mais qu'on a mis l'ouma. C'est ce que tu as voulu. Dieu a tracé une voie pour le mariage. Yandoa. Mais l'homme refuse la voie de Dieu. Sasa, mutu anazo katala njia ya Mungu. L'homme pense qu'il est plus intelligent que Dieu. C'est pourquoi les gens souffrent. Nous devons remercier le Seigneur parce qu'il a envoyé sa parole. Si nous nous comportons, si nous agissons d'après la parole de Dieu, nous vivrons cette écriture. Mais malheureusement, nous avons aussi des frères têtus. Nous avons des sœurs très têtues. Mungu anasema hivi. Mais il y a katala. Elle refuse. Uko libre. Uko na uhuru. Mais tôt ou tard, tu donneras raison à Dieu. Je connais des frères. Dit pasteur, si j'avais écouté Dieu, comme je ne pouvais pas me retrouver dans des difficultés pareilles, mais si il y a quelqu'un qui veut s'engager sur ma voie, envoie-le-moi pour que je puisse lui donner des conseils. Je ne le ferai pas. Tu n'es pas conducteur. Oh, je pas la parole de Dieu. Tu n'as pas écouté. Tu as été désobéissant. Et tu veux appeler les autres à l'obéissance. Non. Tu es mal placé pour faire ça. Ouais, tu t'en ça exemple. Nous allons parler de toi comme exemple. Un mauvais exemple. Un exemple à éviter, pas à éviter. Mais tu n'es pas indiqué pour faire ça. C'est trop tard. C'est pourquoi on doit être reconnaissant au Seigneur. Parce qu'il a envoyé sa parole. Comment nous devons faire les choses correctement. C'est un chrétien véritable. Quand le temps est là pour le mariage, il dit c'est la deuxième décision dans ma vie. Tu vois, quelqu'un peut n'est pas étudié. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Nous, on a pas de francs. Et Dieu leur a donné de l'argent. On peut se rattraper dans la vie. Mais la vie éternelle, comme on a poussé, qu'on a couché. Dans la vie éternelle, si tu rates, c'est fini. Dans le mariage, un mauvais choix, Utaria. Utaria. Parce que vous allez détruire votre maison. Votre famille sera complètement détruite. Ça sera l'enfer sur la terre. C'est pourquoi on doit être sérieux. Et il y a des instructions. Comment on doit faire les choses. Un chrétien qui comprend ce mystère, il prie Dieu. Et Dieu nous a donné des gardes-fous. Ève était une partie d'Adam. Entre Ève et Adam, il y avait une relation de sang. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous portons le sang royal. I kanisa aina kanisa ya Bakasai, ya Baluba, Babemba, ya Bakongolais. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous portons le sang royal, le sang de Jésus-Christ. Et nous vivons des réalités que le monde ne peut pas comprendre. C'est un mystère. Nous venons de différents tribus. Dieu nous prend. Par la nouvelle naissance, il change notre nature. Et nous avons tous la même nature.
La nature divine. Nous sommes des petits. Des dieux en miniature. C'est pourquoi notre vie est une vie étrange. Les gens ne comprennent pas notre vie. Ils nous trouvent un peu fous. Ils peuvent comprendre ça. C'est pourquoi un chrétien se marie dans la famille chrétienne. Je ne parle pas de l'église. Ça doit être un fils de Dieu. Ça doit être une fille de Dieu.